Le grand ménage. Au plus profond de la forêt vit Benoît le blaireau, qui taille, range, frotte et astique à grande eau. Il lisse les corolles de chaque fleur une à une. Puis coupe celles qu'il juge importunes. Il brosse le renard dans le sens du poil. Il l'étrille des oreilles à la queue. Il démêle les nœuds. Il ôte les brindilles. Il astique les oiseaux du plus petit au plus gros. Brossage du bec pour tous, puis plongeon dans la mousse. Il ramasse le moindre bout de bois, il aspire, il balaye, il nettoie, il frotte les pierres, les astiques, les récures et les briques. Et quand tombe une feuille, soudain, eh bien, il sort les grands moyens. Pourtant, il n'est toujours pas satisfait. Les arbres nus ont l'air échevelés, si loin de son monde idéal. Alors, Benoît prend une décision radicale. Il arrache tous les arbres. Quand il se mit à pleuvoir, la terre détrempée devient de la boue. Il fait venir des pelleteuses. Il fait venir des niveleuses. Il fait venir des bulldozers, des déblayeuses, des bétonnières. Plus de boue, plus de gadoue, plus la moindre trace, plus rien ne dépasse, plus d'arbres du tout. Tout est propre et net.
Cette forêt est pratiquement parfaite, s'exclame Benoît. J'ai faim. Mon estomac mérite une récompense, dit-il impatient de se remplir la panse. Mais les vers et les scarabées qu'il trouvait à foison sont maintenant prisonniers d'une couche de béton. Alors, Benoît décide de rentrer chez lui et d'aller, ventre vide, se glisser dans son lit. Mais quand il arrive devant son terrier, impossible de trouver l'entrée. Toute la nuit, il fait les 100 pas, sans parvenir à calmer son pauvre estomac. Plus éveillé que jamais, il s'allonge dans sa bétonneuse et se met à réfléchir. Ah, j'ai fait une bêtise honteuse. Alors, le lendemain, à la première heure, il essaie de réparer son erreur. Et les animaux arrivent, de toutes sortes, pour lui prêter main forte. La forêt doucement retrouve son allure d'antan, en moins ordonnée peut-être, moins propre qu'avant. Quant à Benoît, il s'engage à faire de gros efforts. Mais parviendra-t-il à contrôler sa manie? À ton avis?